Elden Ring, encore et toujours! Je vais peut-être le terminer, hein, qui sait? J'espère que le son est pas trop fort, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort! Je pense que c'est un peu trop fort! Et je trouve, là, la musique aussi, elle est assez présente, alors qu'après, dans la plupart des phases de jeu, elle sera moins présente. Même avec les boss, ça dépend des musiques. Alors, je suis où? J'ai un petit peu visité en live. Pour rappel, la dernière fois, on a découvert les souterrains, la ville souterraine, la cité souterraine. Et on a pas mal exploré ce qu'on pouvait explorer en tout cas à ce moment-là. Du coup, bah, va falloir trouver, je pense, d'autres ascenseurs qui nous mèneront de part et d'autre du lieu qu'on a déjà visité. Et du coup, en live, moi, je suis allée essayer de comprendre un petit peu l'équipement que je dois avoir. Plus les camps d'accueil, après ça va, ouais, c'est ça. Et j'ai opté pour le bâton de la reine semi-humaine, parce qu'apparemment c'est un des très bons bâtons du jeu. Le truc c'est que bah moi, pour l'avoir amélioré ce que je pouvais, je vois zéro différence avec mon ancien. Comme à chaque fois que je teste un bâton, je vois zéro différence. JPP! Bref. Je vais pas du tout faire ça. Je vais ramasser. Je reviens de Kirby là, j'ai encore les touches. Pas grave, on va se mettre là pour régène. Et puis on va explorer un petit peu le coin, sachant que j'ai un petit peu galéré ici. Ah oui, j'ai fait un boss. Le boss qu'il y a sous l'arbre, qui est un boss qu'on a déjà fait. Enfin, oui, c'est ça, on a déjà fait en fait. C'est une sorte de bestiole arbre. C'est plus Kirby? Non, je suis passé à Elden Ring. Je referai du Kirby. Ah! J'avais oublié. Ah non, c'est fort quand même. Je vais peut-être laisser sinon dans les paramètres du jeu le son. Comme ça, je le tape pas. Est-ce que je peux en fait? Voilà. Mais merde, j'ai encore pris une popo sans faire exprès! C'est à cause de Kirby ça! Je vais arriver. Et ça, pour ceux qui se souviennent, ces bestioles-là, eh ben, c'est des bestioles qu'on a croisées dans les souterrains. Mais ils étaient en mode fantôme. Voilà. Là, maintenant, ils sont pas en mode fantôme. Enfin, cela dit, un petit peu quand même, vu ce que je leur mets. Mon but, ce serait d'explorer un peu par là. Ici, j'ai fait des sortes de catacombes avec un boss, deux boss même. Ici. Et du coup, j'aimerais explorer pour voir déjà si je trouve des feux de camp. Enfin, des feux de camp. Je vais rien dire. Plus de feux de camp. Des campements. Et il y avait, voilà, les sortes de monastères mobiles. Mais quand je vais dedans, je vais vous montrer. Je pense qu'en fait, il y a un objet qu'il faut que je trouve et qu'il faut que je leur donne. C'est évident même. Je vais regarder. Voilà, il me propose de regarder dans mon inventaire et il n'y a rien dans mon inventaire qui correspond. Ah, quel souvenir voulez-vous dupliquer? Ah mais oui, ça permet de dupliquer les souvenirs. Mais pourquoi moi je peux pas? J'ai des souvenirs pourtant. Et ça non plus, je comprends pas les histoires de souvenirs, j'en ai marre. Hein. Il manque de sel, il y en a encore sur ton Discord. Sérieux, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas de queener comme des losers. C'est un truc de loser de queener sur ton sort. Hein. Laissons-les pleurer, hein, leur défaite. Un peu minable d'ailleurs, comme défaite, quoi. Mais... Il y en a qui perdent avec classe, bon, c'était pas leur cas. D'ailleurs, la focalisation, ça, je m'en fiche. La focalisation, en fait, c'est quoi? Le truc que je comprends pas. Voilà, j'ai des souvenirs. Voilà, j'ai ça. Permet d'obtenir le pouvoir de son nomonyme par intermédiaire de l'augure des doigts. Je comprends rien. Franchement, je comprends rien. L'augure des doigts. Si j'utilise, il va se passer un truc. Franchement, j'ai trop peur d'utiliser. Le jeu sauvegarde quand il veut. Moi, j'ose pas utiliser les souvenirs. Est-ce que je peux les utiliser? Oh, joli boubou.
Ça, c'est un truc vraiment, j'ai peur de faire des bêtises. Hein. Oh leur figurale! Non mais bordel, arrête de viser! Tout va bien, j'ai juste un poteau électrique planté dans le bras gauche. Mais à part ça... Après j'ai visité ce coin là, je veux pas y revisiter et en plus ils m'énervent tous. Ah j'ai toujours, par contre j'ai full prise dans cette zone. J'en ai marre. Genre de foot. Tout bon. Je sais pas trop, voilà, des souvenirs, ok j'en ai, je sais pas trop si je peux les utiliser. J'ai vraiment trop peur de faire des bêtises. Je sais pas ce que ça fera, je sais pas si c'est un truc temporaire. Je comprends pas. Je crois qu'on m'avait... Enfin, il me semble, j'ai ça en tête, que ça fait une invocation. Je suis pas sûre pour autant, hein. Du coup, bah les souvenirs, je les accumule et j'en fais rien. J'ai peur. Voilà. J'ai peur de faire un truc irrémédiable. Grosse la bébête. Elle est morte la bébête. Ah stop les freezes. Il y a tellement de freezes, c'est une vraie permanente. Et... Blague de coiffeur. Est-ce que je peux monter? Olé Namira. Et Namira, nananana, et Namira. Alors, est-ce que je peux escalader ou est-ce que je peux pas? Parce que j'aimerais bien aller là-bas. Ah, depuis le bas... Ah, je pourrais peut-être... C'est limite. Même ici, c'est limite, en fait. Là, j'y arriverai pas, hein. Eh ben non. Je vais tester depuis là-bas. Et oui, parce que ça, c'est dans les catacombes, c'est en dessous, hein. Dans sous-sol. Ah! Mais après c'est trop. Je vois même pas. Oui, mais si, il y a trop. Mais... Oh mais ça ne change rien. Ah si, peut-être là après, je fais ça. Franchement, c'est faisable. Oh non, 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 non. Ouah, je me suis rattrapée. Oh, je suis une putain d'héroïne. Mais je sais quand même pas comment aller là-haut. C'était chaud, hein. Franchement, les fesses qui faisaient bravo, là. Là, il y a un gros chevalier qui fait ultra mal. Il a pas beaucoup de vie, mais il fait super mal et il a une bonne armure. Donc faut arriver à le toucher... Quand il baisse sa garde. Je pense que c'est que pour descendre, mais je pourrais pas monter par là. Je pourrais pas escalader par là. Ça m'énerve, je vois pas comment y aller. Matériaux. Mais oui, gimme the materials. Bon. Regardez, voilà, tout cet endroit en hauteur là. C'est en hauteur, c'est en hauteur, c'est en hauteur. Un chemin ici, c'est ça? Faut que je tente par là? Je vais mettre un point ici et je vais essayer de l'atteindre. Je crois que c'est là où il y a tous les archers insupportables. Merci Elite. Garde-le en joue. Oui mais d'accord. C'est ici. Là en fait. Mince, je l'ai pas enlevé? Alors je peux peut-être escalader quelque part par ici, finalement. Peut-être le cipo. Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air, hein. Ça a l'air tout pourri, hein. Quoique ici, peut-être. Ça va me donner de la mana, ça. Il y a eu, voilà, qui font du...
J'attendais pas. Et en face, il y avait un boss que j'ai éclataxe. Mais comment je peux monter? Ça m'agace. Ah, ici. Il y a un chemin ici. Ok. Faut que j'aille du coup là. Ouais. Alors, je vais mettre un point ici. On y va. Je veux trop escalader, ça m'énerve, je comprends pas. Je suis singe sur singe. Une blague nette. Ah oui, si, c'était stylé. Il y avait un grand ascenseur, mais je pouvais pas le prendre. Oh ouais, c'est beau, hein. Eh, c'est beau. Ah, le point est là-bas. Ah oui, je vois. Non, c'est quoi là-haut? Ah mais attendez, je crois que c'était ici où il y avait des rats qui me donnaient genre full corruption, une sorte d'empoisonnement trop bizarre ou malédiction, je ne sais quoi. Et en fait, juste en étant un peu proche d'eux, mais pourtant je me trouvais quand même assez loin, et ben je me faisais contaminer, ça montait hyper vite. Ah non, c'est ça! Voilà, c'est ça, c'est ça! C'est l'œil de Sauron, putain, il m'éclate l'œil! Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir passer? Pouvoir passer? C'est pas les rats, je pensais que c'était les rats, moi. Mais c'est l'œil. Attendez, j'ai peut-être une protection. Ou alors faudra en crafter une. Franchement, on va tenter, on va faire des trucs. Fabrication d'objets. J'ai que ça. Améliore temporairement la récupération d'endurance. Ça, c'est le truc à lancer. Après, c'est des flashlights. La putréfaction écarlate est dissible. La putréfaction. Faction écarlate accumulée. Pff, très chiant à dire. Mais je sais même pas ce que c'est la putréfaction écarlate. Est-ce que c'est ça? Je suis même pas sûre, je crois pas. Hein. Je vais voir ce que j'ai sur moi. Cause un empoisonnement. Faire temporairement immunité. Récupération d'endus, attaque physique, découverte d'objets. Résistance aux dégâts de foudre, résistance aux dégâts magiques, saignement accumulé. La putréfaction écarlate est dissible, la putréfaction écarlate. Je sais pas, peut-être que... Non. Peut-être que dans mes équipements j'ai une robe qui peut m'aider à ça, non? Je crois que j'avais des trucs comme ça. Genre... C'est quoi ça? Champ de bataille étranglé par la puanteur des corps. En décomposition, domaine interdit, condamné à être rayé de l'histoire. Tels sont les lieux où sont affectés les miliciens vulgaires pour servir de guetteurs infatigables mais oubliés de tous. Miliciens malpropres. L'envoyer au bagne. C'est bien ça? Ouf. Ah non, je pense pas que j'ai une tenue pour ça alors. Mais comment je vais faire? Gamin! Est-ce que je sois discrète? Une petite popo quand même. Mais non, mais je veux faire péril direct. Dégage, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Bon, alors faut que je me dépêche d'y aller.
Allez, silence. Gaël. Vous allez bien tous les deux? Mais punaise, vous avez vu comment ça monte ultra vite? J'ai pas un... Non, j'ai rien. Qui lui? Marchand nomade. Je vais aller au marchand. Je vais voir si je peux lui acheter un truc qui résiste à ça. Parce que s'il est dans le coin, il aura peut-être un objet en lien avec ça. Je vais voir aussi s'il a une note. Même si je les achète toutes, donc ça m'étonnerait que j'ai pas remarqué s'il en avait une. L'immunité, mais l'immunité à quoi? Je comprends rien. Prendre les trucs de craft, hein. Armer les ennemis transpercés. Une flèche? Oui, c'est une flèche. Moi, j'utilise pas les flèches. Et les runes majeures, j'en ai pas, moi. Du pain. Contre la mort? Du pain anti-mort. Moi, je veux bien, moi. Hey, stop! Stop les lags! Je t'éclate la gueule, le jeu! Pardon, mais j'en ai marre. Je sais pas ce que je fais. Oh, une rune, c'est bien ce que je me disais. Mais c'est beau. Et pour comment faire? Faut que je fonce au pire. Avec mes popos quoi. Ah j'ai pas... Il me manque une popo? Ah, je vais m'en poser. Attendez, si j'essaie de crafter des objets au feu. Est-ce que j'en ai des... Ah non je peux pas. Mais... Ah tiens, Mélina, ça fait longtemps. Salut meuf. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika. Les voix résonnent ici. Ce sont les échos de la reine Marika. Disparu. Vous désirez, je peux vous transmettre. Parole. J'en ai rien à péter. Ok. Voici les mots de Marika. Mais comment? L'arbre monde gouverne tout. Le choix vous appartient. Ne faites qu'un avec l'ordre, ou rejetez-le. Vous connaîtrez alors l'exclusion, parvenu impuissant que vous êtes. Sacré rigolote quand même cette petite Mélinia. J'ai oublié son nom. Mais on voilà, quand on s'arrête autour d'un feu toutes les deux... Oh, on se marre, quoi. On ne cesse de se marrer. Ça ne s'arrête pas, ça ne cesse pas. Ah, ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci, MacIver. MacIver. MacIver, peut-être. Félicitations! Merci pour les félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Bon, bah écoutez, on va y aller en mode YOLO, hein. Et puis, oh, j'aurais dû... Je sais. Attendez, je sais des trucs. Attention. Je vais me mettre une popo de soin en plus au moins. Ouais, au moins une popo de soin en plus. Deux. Pour le moment. Parce que on va aller dans une zone où je prends full dégâts. Bonsoir, tu vas bien? Oui, ça va. J'ai oublié de mettre dans le truc... Le backseat est autorisé, je viens d'y penser. Je vais le mettre dans le... Bah... Parce que bon... Non, j'avance pas en fait. Alors... Attention... J'essaie de me cacher de l'œil le plus possible. Dès que Sauron nous a repéré, on fonce.
contre, ça s'est arrêté. Ah, ça s'est pas arrêté. Une popo là. Est-ce que je peux. Non, non, non. J'ai pas appuyé deux fois, j'ai appuyé sur A pour sauter. Du coup, là maintenant qu'il est de dos, l'œil il me voit plus, c'est ça? Ah, le loser, hey, tu vois même pas de dos. T'as même pas de coup. Ah putain, il me défonce. Oh non, j'ai de la démence. Oh, la démence a buté mon cheval. Attends, attends, attends. Quand j'étais là, ça allait. Voilà, voilà, on va attendre, on va utiliser une popo de soin pour faire rip-up le chevache. Attendez, attendez, c'est compliqué. Ah non, c'est bon, il est pas mort. Non, 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 non. On va attendre que ça descende. Attendre tranquillou. Et salut, Infernalou. Je vais mettre dans le... On attend tranquille. Après ici. J'ai du temps. Enlever mon petit point. Après je voilà, la portée a l'air quand même assez immense. Hein. D'œil. Et on va attendre voilà qu'il finisse son truc. Après on va courir. On y va. C'est bon, je suis plus dans sa portée, c'est bon, stop! Bordel! Voilà, je suis caché. Ils souffrent tous de démence, je suis sûr. Regardez, ils tiennent tous la tête, c'est trop triste. Eh, je vous comprends trop! Franchement, je dis pépé trop pareil. Il faut que je fasse un truc pour arrêter ça. Ou pas, en fait. Manuel d'exalté. Oh, mais attends, il y a des méchants là. Il y a des caisses là. Voilà. Mais surtout, il y a des méchants là-bas. Ils tiennent pas la tête parce qu'ils ont un casque, mais moi j'ai un casque en pierre. Pourtant, la démence m'a atteint. En casque, point dans démence. Brûle le village, ça ira plus vite. Franchement, bonne idée, mais c'est de la pierre. Alors ça brûlera pas super bien. Des popos, ça c'est fantastique. Merde, j'en ai pris une, je voulais pas du tout. J'ai dit popo alors j'appuie sur popo. Malheur de chabribri. Ah, oh, si ça se trouve, ça va m'aider. Chabribri. Un casque, hein. Ou pas. Qu'est-ce que c'est que ce casque? Vois la gueule que ça fait. Mon j'entonnoir. Je peux pas mettre ça à la honte. Alors en vrai, de toute façon, c'est celui-là le meilleur casque. C'est quoi que je voulais voir? Ah oui, j'ai eu un truc qui a pris bris. Non, crafté, je voulais pas. Inventaire. Ça ressemblait à quoi? J'ai vu juste le nom. Ah, ça ressemblait à un casque. Bah oui, c'est pour ça que je suis allé dans les casques. Je vais pas le trouver, ça va m'énerver. Je peux pas les assembler? Ah, mais c'est pas les mêmes! C'est pour ça.
C'est pour ça que je peux pas. Mais c'est quoi, Chabribri? Je loot des trucs, j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai des lags, quoi. Dans le menu. Ah, c'est ça. Suscite constamment l'agression des ennemis. Bah super! D'où le côté malédiction, j'ai pigé. Mais je sais pas, dans ce jeu, le côté malédiction, ça peut être positif. Parfois, tout est... Tout a l'air tellement déjà maudit. Malédiction plus malédiction, ça c'est un peu. Du feu spécial pierre pour la pierre? J'ai pas pensé. Du feu à pierre, quoi. Il y a la pierre à feu, puis il y a le feu à pierre. Une pierre, c'est une pierre, pierre. On va pas se promener, hein. Je trouve que ce village est propice au baladage. Les trucs là-haut. J'entendais pas et j'entends un bruit d'un truc qui brille. J'entends le bruit d'un scarabée brillant. On a bousillé plutôt. Plus juste. Hop, les lags. Ah, c'est un rat. Ah, bordel. Je déteste. Il me revoit d'ici, mais sérieux, ça va être trop chiant! Oh, c'est un truc de mana. J'en aurais peut-être besoin, mais tant pis, trop la flemme. Bah, je vais essayer de la mana en essayant d'atteindre le truc de mana. Tant que l'œil me voit pas, il est ok. Ok. Faut que je descende sur le rebord là. Pierre. Ah! J'ai raté. Un peu deck parce que là je suis loin. On va remonter. De toute façon, il y a un truc. Il faut que je. Attends, attends, attends. Voilà. Ouh, il est tout vénère. Ah! Oh! Mais je suis à 244 km! Ça veut dire que je suis loin. Ah! En plus, il y a la corruption qui va m'éclater ma gueule, moi. Ça me pose souci. Ça me pose souci de me faire maudire. Mais si je me mets derrière un caillou, ça marche pas? Je suis sûre que ça marche en vrai. Et franchement, je vais tester. Par-dessus la troisième corde! Mais qu'est-ce qu'il raconte, Suicide? Tu vois pas que j'ai des soucis avec les rats? Et ouais, tant qu'il me voit pas. Oh putain, j'ai rien dit! Attendez, je vais attendre qu'il se calme.
Un qui se calme. Oh, mais il y a full rat ici, c'est un sup. Ah, mais attends, je suis pas prête. J'avais une théorie, elle a complètement été bousillée. Je pensais que toi qui me voyais pas, ça allait. He's okay. Vous avez vu ma vie comment elle fond? J'attends. Plaquage au sol. Comment ça plaquage au sol? Qu'est-ce que c'est que ce clip? Je suis occupée là. Je suis occupée à ne pas me faire pécho par ce rond. C'est pas simple. Attendre qu'il refasse un tour et après on fonce. Bute le village. Pour raison particulière, hein, juste parce qu'ils sont là, quoi. J'ai bien fait le tour du village, mais j'aimerais bien récupérer mes cendres avant de commencer à me disperser. Il y avait les trucs là. Attendez, je vais voir le clip après. Ma prochaine mort. Et eux, du coup, on fait ça et on fait ça. Il manque un. Bien de Raya Lucaria. Ah, les trucs de Raya Lucaria. Encore. J'avais fait après, qu'est-ce que j'avais fait? Où sont mes cendres? Oui, c'est les rats. C'est les rats qui ont tout pécho. Les rats, c'est pas mes bros, ils sont tout pécho. C'est par là. I remember that! Je suis tombée, mais j'étais obligée de refaire tout après encore. Hein. Les récupère! Yeah. Ok, attention. Maintenant. C'est géré. Plus d'ambre. Aucune idée de ce que c'est. Et si je fais le tour par là, c'est le mauvais plan. Moi, je veux pas descendre, moi. Peut-être pas en fait. Peut-être juste faire le tour. Parce que je connais pas ça. Non, je connais pas.
traverser le village. Ok, ok, j'ai compris. J'ai pigé, je sais où je suis. Ça va, ça va. On va aller là-bas. J'aimerais bien qu'il y ait un feu, un truc, un... campement, machin, là. Ah bah genre ça. Voilà, exactement ça que je voulais. Ça perd de pas, ce rond, je crains rien ici. Fils de nul. Ok. Je vais aller dans la bâtisse qu'on a vue au loin. Puis le jeu m'autorise. On a 10 800 trucs. Bon, c'est le... c'est un peu moins de la moitié de ce qu'il me faut. Oh non, ça va aller. Hop ! On pose pas d'interagir. Enfin, avance, tire, on se tire, on se tire. On est marre de ce truc. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah c'est là où je voulais descendre tout à l'heure. Enfin, où j'essayais de monter plutôt. Mais par où on peut descendre? Oh, il a un casque. Oh, il a fait piton. Tellement galère à te buter, toi. Oh non, tu utilises de la magie! Vas-y, pépé, ils utilisent tous de la magie tout le temps maintenant! J'ai plus d'avantage sur qui que ce soit! Nice! J'adore. J'ai essayé d'aller en dessous son bras, j'ai pas réussi. Oh, je suis juste à côté, l'avantage, le désavantage, comment je vais le buter en fait? Alors, c'était quoi le type? Avec le son du jeu, on entendra rien comme d'hab. Oh! La souplesse. Il m'a buté! Je sais pas qui me... Il m'a buté! Ah! Ouais, pas des masses de souplesse. Tac, je change, voilà. En capture du jeu, c'est mieux. Où sont mes trucs? Là-bas. Non mais d'accord, super! Tout à l'heure, ça le faisait pas? Prends une popo, toi. Sans l'ascenseur, ça, hein. On est d'accord avec ça. C'est ça, les 2 heures. Ça a l'air d'être le dos, son poids faible. En plus, c'est pas le ventre, hein. Les jambes, ça va? Bordel! Pourtant. Aïe. Ah là j'avais un mauvais timing. Ah, je veux le buter. Déjà comme ça je voudrais savoir combien il rapporte. Et ensuite il m'a saoulé. Bon, l'œil insupportable aussi hein. Ça va. Tout à l'heure j'étais plus loin.
J'étais genre au bord là et ça continuait. Ah ouais, trop bizarre. Ça continuait. Bonsoir à toi. Comment ça va? Ah, il doit être, j'ai pas vu. Consécutif 7e mois d'abo, merci beaucoup! Ça fait longtemps, merci! Et je vais vous saluer, je vous promets. Ah! Je m'arrête un peu, voilà. Et salut Alia. Alia Etus, ça? Bonsoir à toi! Merde, t'es tellement pas dans le mood du jeu, grave. J'y ai pas pensé, des os. Oh, bon, oh, ça me fait rire. Hein. Tu t'es cogné, espèce de loser, sur des cailloux. Ah. Allez, là, c'est bon, là. Vous arrivez pour ma victoire! Bonsoir, bonsoir! Bon! Vous étiez sur quoi? Elden Ring aussi ou pas du tout? Merci beaucoup! Bon, j'ai besoin de tips. Mais c'est des. C'est des incertitudes. Il s'agirait de. De certituder, quoi. Ah! Qu'est-ce que c'est? J'arrête de courir partout. Il faut que je marche avec ma bestiole. Il y a des aigles. Bien ceux de l'ange. Non du tout. C'est sur Black Mesa. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est toi qui es fan de la licence. Si je ne me trompe point. La dingue, j'en ai fait un peu. J'ai genre arrêté il y a un mois. J'espère revenir un jour. Ouais, je comprends les jeux comme ça, mine de rien. Déjà, quand t'arrêtes, bah, tu sais plus où t'en étais, tu sais plus comment jouer, tu sais plus, voilà. Donc c'est très chiant de s'y remettre. Descendre. Et ensuite, bah, c'est des jeux très longs. Et moi, je sais même pas si je le terminerai, franchement. Je sais que tant que j'aime, bah j'y joue. Et le jour où ça, où je serai lassé, bah, je me forcerai pas à jouer. C'est clair, qu'est-ce que tu sais que ça? Tiens le message. Érudition et autrefois. D'accord. C'est quoi ça? Terminé. Vous devez résoudre l'énigme pour entrer. Oh, trop bien! On entend des mouettes. En même temps, bon, on est proche de l'eau. Je vais commencer par tout péter. Ça me permettrait d'y voir un peu plus clair. Si c'est un réflexe que j'ai, faut pas juger. Voilà, j'ai tout pété. Est-ce qu'il faut que je fasse une émote? Should I do an émote? Accueil chaleureux. Incliné.
Oh, le saut nul! C'est ça un saut pour toi? Il est saut. Tu fais un fuck. Coucou? Hey! Oh! Attendez pas à ce qu'elle parle. L'érudition. Qu'est-ce qu'un érudit ferait en émote? Il ferait un hochement de tête pensif. Ou une prière. Oh, une prière, tiens. Je vais tenter la prière. J'y croyais trop. Bon, ok. On va voir ça. Je vais explorer ce qu'il y avait un petit peu en contrebas. Et on y retournera après. Et puis voilà. En mode pigeon. Encore débloquer celle-là. On va faire aller mode albatros. Ah, bonne nuit, Grisou! Je l'ai vu 15 jours après, comme d'hab. Mais bordel, les lags, pas au bord du ravin! À chaque fois, ils sont par deux ou trois. Ça se pose un temps. Je repars deux ou trois. Ça se pose et tout ça et tout ça. Y'a rien là. Mais dans cette zone, j'en ai full. La zone d'avant, j'en avais pas. Va savoir. Comment je fais pour remonter? Bah, je prends les marches. Mais ça, il faut que j'y aille en bas là-bas. J'irai. Mais avant, il va falloir qu'on résolve l'énigme. J'ai vraiment aucune idée de quelle est la nature de cette énigme en fait pour le moment. En tout cas, autour d'elle, elle a. Je sais même pas. Mais ça fait une sorte de 8. Eh, peut-être que je fasse un truc 8 fois. Un truc là-haut. Ah, est-ce que je peux monter sur le toit? Ouais, c'est ça mon cheminement quand j'essaie de résoudre une énigme. Bah oui, regardez, il y a un autre étage. Ah, mais c'est peut-être ce qui est censé s'ouvrir. Là aussi, il y a une porte. Ok. Certains secrets, les textes laissés par les joueurs aident massivement. C'est vrai. Donc là, ça m'aiderait. Mais moi, je vais trouver, moi. Moi, je suis pas une petite nature des énigmes, moi. Moi, je vais trouver. Ou vous me direz. Faire la même émote que la statue. Mais elle n'existe pas, cette émote, en fait. J'ai essayé de plein de fois, en tout cas dans celle que j'ai. Et en fait, c'est jamais le même truc. Le salut avec tête baissée, bah y a pas. C'est ce que j'ai essayé de faire. Hein. L'érudition. En plus, il y a un message. Puisse l'érudition être votre voix. Ah, mais attendez. L'érudition, c'est du coup les bouquins. La bibliothèque. Est-ce qu'il y aurait pas un passage secret derrière une bibliothèque? Il y a un passage secret derrière une bibliothèque, c'est genre giga sûr. Mais comment? Comment? Un passage secret ou un truc actionné? Mais comment faire quelque chose? Comment savoir ce que je vais devoir faire? Il y en a 4 et 2. C'est bizarre, non? Hein? Pourquoi on a 4 et 2? Un meuf, pourquoi?
un truc, mais je crois que c'est parce que j'ai pété des trucs. Le cercle, je crois qu'il y était pas à la base. Mais j'ai tout pété. Du coup, bah... C'est malin. Résoudre les lignes pour rentrer. Puisse l'érudition être votre voix. Donc forcément en rapport avec les bouquins. Est-ce que de l'autre côté, tiens. Un truc à actionner. Oh, il y a des bibliothèques. Il faut que je roule. M'aidez pas beaucoup. Accepter de financer ma formation de formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie. Ah nice. Un mois que j'attends, mais trop cool. Félicitations Timo Gloopintark. Là il y a un rebord. C'est pas ça qu'il faut faire là, je fais na... De quoi là, je fais nawak. Pas spoil encore moins quand j'ai pas fait le passage. Oui. C'est vrai que déjà pour spoil, c'est mieux de connaître. Érudition, peut-être que je fasse un sort. Un symbole, je vais y arriver. À chaque fois que je fais un sort. Genre si je fais ce sort là. C'est le même. Ok, bon. J'ai rien dit. Un sort sur un statue, bah ouais, mais comment savoir le kill? Les bras avec tête baissée, c'est un instant quoi. Je peux faire ça, mais j'essaye souvent. Taz. Prendre tête pensif. Ridicule. Quand je reste appuyé, ça charge. Pareil pour les autres. L'érudition, être votre guide. Pour moi, ça me guide que dalle, hein. Surtout qu'il n'y a pas d'interaction possible de ce que je vois. Voir si ici un mécanisme, un truc. J'aperçois quelque chose. Et déjà, le coup de chercher les animaux érudits dans une autre... C'est pas vraiment une énigme, mais c'est un truc que j'ai jamais réussi à trouver. Tout ce qui est érudit, j'ai l'impression que j'ai des soucis. Juste l'érudition être votre voix. Je vois pas, ça m'énerve. Enfin, par rapport à ce qu'on voit, quoi. Par rapport à ce qu'on voit, je vois pas. C'est la porte sans équipement. Sans armes et tout. Franchement, ça se tente. Franchement, j'aime bien l'idée. Audacieux.
C'est trop bizarre. Je lui ai fait un look super chelou. Ah, ça marche pas, hein. Je peux pas faire ça. Je vais tout déséquiper. Les talismans aussi. Illuminez votre voix. Juste l'érudition, illuminez votre voix. Bon, alors ça va être long. Que mon équipement, je le connais pas bien. C'est facile. C'est là pour le moment. Ensuite, justement, j'avais ça. Ça. Oh. En vrai, je peux changer un peu. Récupération, endurance. Change d'équipement. Hein, la vigueur, machin. Mais ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Surtout que ça réduit mes PV. Ou ma résistance, je sais plus. Côté cristal les PV, j'avais ça. Cristal les PC, je vais prendre ça aussi. La puissance des attaques successives, c'est pas trop mal non plus parce que je fais beaucoup d'attaques successives. Je prends ça. Et ensuite, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Ok. Je suis rééquipée. Érudition, illuminez votre voix. Bah là, je vois pas trop trop. Voilà. Les animaux érudits, c'est pas un film. Film Harry Potter. Franchement, ça pourrait, j'en aurais aucune idée, mec. Non, mais c'est des tortues, les animaux érudits. J'en ai trouvé qu'une, je crois. Alors voilà. Je vais faire le tour, hein. On va refaire le tour, on va voir. Un truc à faire autour, je sais pas moi. Les réditions. Érudition. Illuminer. Illuminer quoi, votre voix, votre chemin? Illuminer votre voix! Ok.
On dirait les points cardinaux qu'il y a autour. Ah non, c'est juste à gauche. On dirait les autres lettres, on dirait pas. Et ben voilà. Est-ce qu'il faut que j'aille faire quelque chose avant peut-être ? Pas simple hein, sachant que je peux pas beaucoup bouger parce qu'après il y a la... Il y a ce rond qui m'éclate la gueule. Et c'est fort dommage. Non je descends pas là. Non mais j'y suis déjà allée en bas en fait. Oh ça me stresse de pas savoir alors qu'il y a pas grand chose en plus dans cette pièce. Y a pas grand chose. Regardez mon inventaire. À quoi en émote ? Bah j'ai pas grand chose pour le côté érudit. Enfin, je les ai pas toutes hein. On en débloque au fur et à mesure. J'arrête pas de me tromper de touche. Je peux faire des émotes. Voilà, tu les vois toutes. En avant, vers le haut, vers le bas, un instant. Geste de la main, saut de joie, encourager, accueil chaleureux, salutation désinvolte, fais un signe d'approcher. Hochement de tête pensif, claquement de doigts, cri de ralliement, incliner, si on soit ainsi. S'asseoir en tailleur, passe, prier, que voulez-vous? Salut, révérencieux, je vais peut-être tester ça. Se reposer, s'asseoir de côté, découragement. Tester tous les saluts que j'avais, mais bon ça a pas... Le truc qui a un rapport avec l'érudition, c'est éventuellement la prière ou le fait d'être pensif, mais ça a rien fait. Là il y a un symbole, mais j'arrive à peine à le voir. Elle a l'air plutôt jolie d'ailleurs. Coil, comment ça t'as regardé, c'est ça? Oh, c'est dommage. Pas trop envie. Une légende indienne qui dit que Sauron porte le mauvais œil. Légende indienne? Effectivement. J'ai entendu ça, ouais. Salut, fais gaffe! Mais non, quitte à pas trouver tout de suite, mais j'ai pas envie de me faire spoiler. Pas maintenant, on n'a pas beaucoup cherché encore. Ça m'embêterait, j'avoue. J'ai loupé, mais je dirais que tu te demandes pas. Ok. Moi, je sais pas, j'aurais peut-être un truc avec les fleurs, sinon. Alors c'est des fleurs érudites, mais elles mènent là et après elles mènent nulle part. Alors bon, je crois que c'est pas la bonne voie quoi. J'ai l'impression en fait le suicide peut être une forme d'érudition. On va le voir. Oh, pas trop. C'est pas ça. C'est pas ça, hein. Bon, je vais aller récupérer mes trucs quand même.
Non, non, ne crève pas, ne crève pas, ne crève pas, ne crève pas. Ok, je vais demander un mini spoil à Fernand J, juste pour savoir si ça vaut le coup que je le cherche. Est-ce que c'est en rapport avec ici, enfin, c'est un truc que je peux trouver ici, ou est-ce que c'est dead, c'est un truc qu'il cherche ailleurs, quoi. Juste ça. Si tu le sais, parce que, voilà. Et c'est parfois, si on connaît pas trop le jeu, on sait pas, quoi. On sait pas trop où ça se trouve. Bon, je vais arrêter. Je vais pas tout péter, du coup. Bon, j'ai tout pété en argument. Je crois que ça joue... Ça a un peu joué. Oh, il y a peut-être cette différence. Il y en a 1000. Non, mais stop, là, pourquoi ça lag? Il y a rien. Zut. Ah, c'est ailleurs, c'est pas ici. Ah ouais, mais bon. Regardez, les fleurs, elles sont lumineuses. Sinon, je suis les fleurs. En vrai. En vrai, c'était ça, ma... Ma propale. Hop, et ça me mène ici. Je me suicide ici. Je vais arrêter de me suicider, c'est un peu risqué, j'ai quand même 12 000 runes. Ça me fait chier. À vous mourir, j'ai peur. Je vais voir avec la dame alors. Mais la vieille, normalement, elle m'indique un endroit où aller. Mais là, elle le fait pas. Peur. Je déteste ce rond, tu fais chier. J'ai le temps de rien faire. C'est ça aussi, c'est que je peux à peine chercher dès que je m'éloigne un peu, mais ça veut peut-être dire qu'il faut pas s'éloigner aussi, hein. Simplement. Des fleurs, j'aime bien, mais elles sont n'importe où. J'avais une pelle, je creuserais à cet endroit-là. Ça ne servira à rien, mais j'essaierai. Il y avait d'issue après, c'est en rapport avec ces gros trucs-là qui descendent. Le truc, c'est que j'ai déjà tout fait en bas. J'ai déjà exploré les catacombes qui sont en dessous. Et voilà. Ah, les fleurs sont véritablement très belles. Le bleu est parfait. Elles sont très sympas, mais surtout qu'elles font un peu de lumière. Un peu lumineuses. En tout cas, elles donnent cette impression de lumière. Flèche du prosélyte.
Et votre dissuasion éliminer votre chemin. Bon, c'est peut-être en rapport avec ça après, hein. Sac de fou d'un coup, mais c'est insupportable. J'ai plein de frises et je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie d'y aller. C'est en rapport avec ça après, hein. Mais bon. Dans ce cas-là, on n'est pas prêt de découvrir, hein. Vous savez quoi, je vais mettre un point ici. Je vais mettre un repère. J'ai pas envie d'être spoil tout de suite. Mettre un repère. Pour une énigme, qu'est-ce que je mets? Un petit bonhomme qui marche? Un petit bonhomme qui marche. Quoique non, c'est pas à cet endroit-là en fait. Ici? Donc on va mettre ici. Bonhomme qui marche, c'est pas terrible. Mettre un coffre, voilà. En mode, il y a un secret ici, un truc à looter ou à découvrir. Go revenir. Mettre un coffre parce que voilà. Si je me spoil tout de suite. Si ça se trouve, enfin voilà, je serais peut-être... Oh, attendez. Si ça se trouve... Ça se trouve, ce sera en sous-sol. Non, c'est super long, j'ai rien dit. On verra. Je vais continuer d'explorer la zone et j'y reviendrai après. Mais pas loin, il y a des trucs. Genre ici, il y a des trucs qui m'intéressent. Et ici, c'est le vide, hein, on est d'accord. Ici, c'est le vide. Rien. Ouais ouais, j'ai essayé, il y avait rien, je me rappelle. Et c'est voilà ça qui m'intéresse, un petit point bleu. Et puis on va descendre, mais à pied, on va pas se TP. Bonsoir Mandragore, une plante mythique. Tuer lui, ou alors je le tue. Non mais non, j'aurais pas dû descendre par là, c'est sûr, je vais me retrouver pile poil au-dessus de sa tête. Je me tire, je l'aime pas. Il a pas de tête en plus. T'as pas de tête. Non, surtout que j'ai des runes et j'ai pas envie de me taper du chemin pour les récupérer s'il me tue, parce qu'il me touchote à peu près. Ouais, c'est ça, une touchotte. Il est pas très résistant, mais une touchotte. Alors, nous allons regarder vers où aller. On est dans une autre contrée ici. Une autre contrée? Ah, les ours! Oh non, les ours, je supporte pas, dégage! Franchement, c'est parmi les mobs les plus insupportables. C'est des sacs à PV de ouf. Ils sont... Ma magie est pas ultra puissante contre eux. Et ils sont tellement rapides. Je saute dessus en tous les sens, ça m'énerve. On le dit que lacustre. Lacustre avec des lacs. Dis-nous tout. Ah, des fleurs bleues par là, hein. Ça se trouve c'est le chemin, hein. Les petits loups. Ça se trouve faut que je suive les fleurs bleues. Genre c'est des fleurs dites fleurs de l'érudit, une connerie comme ça, et hop. Je follow. En même temps c'est pas facile à follow parce qu'il y en a partout, donc je sais pas si ça se follow vraiment. C'est méchant ça, hein. Moi j'aime pas les méchants. Des méchants. Mais moi je vais de l'autre côté en fait. C'était gratos. C'était pour le kiff. Oh mais un petit feu là. Je connais pas celui-ci. Non. Mais c'est cool. Et encore des lags. For what?
La bonne dev, j'offre un sub à quelqu'un. Ça aurait pas de sens parce qu'en vrai il y a pas de lac dans cette contrée. Ah il y en a, si il y en a une. Un. Non ça n'a pas de sens. Je pense que c'est pas la bonne dev. Il a l'air balèze celui-ci, non? Vas-y, je vais rien lui faire. C'est pas grave, on peut spawn pas loin. Donc on va... Oh, il est midlife. Hey Sam. Oh, je lui fais rien du tout. Ah oui, faut que je vise les pelotons. Je me rappelle, avec eux, faut viser les pelotons. Oh, il m'a touché, il m'a... Il a frôlé... Non ! Ton bras fer, je t'en offre. Allez, relève-toi ! Arrête de tuer des bébés. Ok. En plus, je te fais la main. J'ai compris, j'ai pitié comment tu fonctionnes. Il était loser. Ah, il m'a donné pas mal, je crois. Oh, il m'a donné combien? 1800 et quelques. Et des boulgours. Et du coup là, on va aller dans la ville. Terraine. Vraiment une dégaine de charclos. J'ai un truc chelou avec ma fenêtre de chat, l'affichage est genre en grosse police. Mais la box où je tape en police minuscule, je vois que dalle. What the fuck. Ça fait pareil sur les autres chaînes. Oh, y'a des bébêtes, vous avez vu? Lincel. Non, on va pas dire ça. Lincel. C'est pas terrible comme mot. On va dire un seul. Voilà, linceul. Comme un linceul. Alors, j'ai plus de mana. C'est des grosses fourmis. J'ai reconnu l'animal. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci, Mandragore. Follow, follow, c'est très gentil. Une à toi. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas tuer. Bon, c'est des fourmis rouges, hein. Comme chacun sait, les fourmis rouges, elles piquent. Elles vont me défoncer. Je m'approche, ça va? Ah, si je m'approche, ça va pas. Oh, je testais. Ah, celle-là, c'est la soldate? Non, pas du tout. Une petite pour une soldate, toi. Iso. Oh là là, elle meurt comme une fourmi. Mais celle-là, attention, elles sont plus dangereuses, je pense. Là, on a des. Celles d'en haut, elles sont urticantes. Je peux pas sélectionner, je peux sélectionner que ces deux-là. Là, je peux pas. Et celles d'en bas, elles sont venimeuses. Iso. Ah, oh, y'a le dard. J'ai vu ton dard, espèce d'exhib. Ça, je peux pas, ça? En dessous? Voir à l'épée. Ah, ça me fait économiser un peu de mana. Alors, relique de grâce. What is that? Merci Amitio. Lacustre qui appartient à un lac. Qui vit dans les lacs. En géologie, un lacustre se dit. Certaines couches du sol paraissent avoir été déposées dans des eaux douces. Eh ben, voilà, j'ai été généreux parce que j'avais dit avec des lacs ou il y a des lacs ou je ne sais plus quoi. Merci Amitiu, c'est trop mignon. J'avais dit si c'est la bonne dev, j'offre un sub. J'ai plus de souffle. Il l'a fait, c'est trop sympa.
D'où vient cette alerte follow? C'est toi qui l'as faite? Ah, mais je l'ai déjà dit quelques fois. D'où vient ma alerte follow là? Dessus. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Merci ami. C'est trop sympa. Et cette mauvaise manie de respecter ma parole. Très franchement, c'est tout à ton honneur. En vrai, l'inverse, je l'aurais pas mal pris. Mais j'ai bien senti quand tu l'as dit. Tu comptais le faire, c'était le cas. Merci, c'est trop mignon, vraiment. Alors, ça fait pareil sur toutes les autres chaînes. Ok. Me dis, je suis pas dans la box. Moi, je tape apparemment. Le chat qui décide. Non, juste le chat qui défile, mais c'est trop bizarre. C'est l'affichage du chat qui a été modifié. Je sais pas comment. Et du coup, l'alerte follow, ça vient du film Albert à l'Ouest. Ou A Million Ways to Die in the West, c'est le titre anglais. Et c'est une sorte de... J'essaie de le faire juste à... Voilà. Je vais économiser un peu. Oh putain! Oh, elles m'ont fait... Oh là là, elles font trop mal! Oh oh, je m'attendais pas à ça. Elle m'a fait trop mal. C'est pas grave. Un zeul. J'ai envie de prendre mon cheval à chaque fois. On va y aller doucement, c'est pas grave. On ira avec la magie et puis tant pis. Et du coup, c'est un film de Seth MacFarlane. Et pour ceux qui connaissent pas, enfin, dont le nom dit rien, Seth MacFarlane, c'est celui qui a fait American Dad, Family Guys, The Cleveland Show. Et il a aussi fait un film avec Charlize Theron, avec lui-même, avec... comment il s'appelle cet acteur qui joue dans Tekken? Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Et c'est un film comique qui se passe au Far West. C'est un film qui plaît à tout le monde, mais... Enfin, qui fait rire tout le monde, mais moi j'ai trouvé assez drôle. Et il y a ça. En fait, il y a le père du héros qui a des problèmes de santé. Et à un moment, il est en arrière-plan, on le voit pas. Mais on entend un énorme paix. Et il dit cette phrase magnifique. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Que voilà. Il est très malade. Liam Neeson, merci. Merci, merci. Oui, Liam Neeson qui joue un méchant. Il y avait deux fourmis. Au folle. J'en ai eu qu'une. Ah, mais l'autre, je crois qu'elle était, elle était passée. Là, elle va être derrière moi. Voilà. On va mettre un petit petite lumière, hein. Petite shutter, petite lanterne. Voilà. Liam Neeson. C'est Liam Neeson et pas Liam Neeson. Moi à chaque fois j'ai Neeson. Pas mal de gens. Il y a plein de bugs de Twitch. Oh putain, je me refais buter, mais c'est chaud. Elles me one shot. Elles ont pas beaucoup de vie, mais elles me one shot. Faut que je puisse sortir en sécurité. Pour utiliser mes runes, parce que là j'en ai 21 000. Je suis très pas loin de level up, donc j'aimerais bien level up. Et continuer. Non, j'arrête d'essayer de sortir mon cheval. Ah, la magie Elden Ring, d'accord. Bah écoute, moi j'ai l'impression d'avoir plus de frise qu'avant. Mais bon, j'en avais avant de toute façon, donc est-ce que vraiment c'est vrai, je sais pas. Est-ce que si je fais ça, ça touche les deux? Voilà, pas rapide. Oh, ça.
Dans Hansel et Gretel, je connais. Quand je vois un sel, je pense à autre chose. Je pense pas à ça. Je préférerais penser à Hansel et Gretel. Je me rappelle. Fils de garce, va. Oh, il a pas voulu viser. Ah, je prends pas de risque. Je prends pas de risque. Je prends zéro risque. Bordel. Non, pas de lag, putain! Pire moment, quoi! Elle est en train de m'envoyer des trucs avec son fion, là! Franchement, je veux back. Et on va utiliser nos runes. Comme ça, je m'en foutrais de mourir. J'ai pas d'autre F, tant mieux! C'est Liam Neeson? Ok. Je la fais pas moi, c'est bon, ça me concerne pas en plus. Plein de mages, donc super loin de moi. Le sort que j'ai pas, j'attends qu'il corrige. Je sais pas, moi c'est comme tous mes jeux, ça se fait auto. Monter de niveau. Eh oui, je peux monter de niveau. Qu'est-ce que je fais? Je mettrais bien un petit peu de vigueur quand même. J'irais bien jusqu'au niveau 20 en vigueur. Oui, en vigueur. On a marre. Ok, on a level up. Je me sens rassurée. Si je fais ça, ça veut peut-être en toucher deux. Ouais. On a touché deux. On va continuer de fouiller la teugro et après on ira de l'autre côté. Mais là maintenant j'en ai rien à battre de mourir, du coup, he's ok. On voit les trucs avec son fion, mais c'est vrai! C'est pas moi qui l'invente. Je vois. Jamais un envoyé avec ton fion? Ne mens pas. Puis je te regarde. Là, j'ai plus besoin d'y aller. Et vu qu'elle a pas l'air de bouger, je vais continuer par là. Il y a moins de choses qui font ça. Je vais remettre mon truc, moi. Je vais peut-être la mettre en raccourci pour le moment. L'argenté. Ça a l'air sympa. Rune dorée. Je t'ai repéré. Il y a trop de gros, il y a trop de gros partout, je sais plus où aller. Ah, ça c'est la suite. Attendez, je vais finir d'explorer cette pièce avant. Appuyez sur la touche. Non mais non, c'est par rapport avec ça. Elles sont belles les fourmis. Oui. Non mais c'est peut-être ça aussi la suite. Ah là là, il y a trop de trucs à explorer, JPP. On va faire ça d'abord. Faut choisir. Oh mais je vois où je suis là, je suis en souterrain. Oh, mais les souterrains, c'est tellement immense.
forge. Bon. On s'est pas tombé sur un truc aussi, aussi complexe. Aussi stylaxe. Chaque fois que je vois une torche allumée et une autre éteinte, j'ai les réflexes de Zelda de vouloir absolument allumer celle qui est éteinte pour que ça fasse et que ça me débloque un truc. Ça c'est de l'érudition ça non? En plus il y a la lumière. Laisse l'érudition illuminer ton chemin machin. Hein? Non j'en sais rien. Je vais descendre par là, je vais aller par là. Ah! Hein, ça c'est bien. Ça croustille les fourmis. Oui. Ah, ce qui croustille le plus je pense. T'as pas une carapace ultra épaisse. Pas vraiment une carapace en fait. Alors bon, mange une blatte, ça ça croustille. Ça croustille un max, c'est sûr. Un bousier. Ça croustille aussi. La fourmi. Un grillon, ça croustille. Oh, pas tant que ça, en fait. Non, non, pas tant que ça, je dis. Les chimaricas, t'as côté du cycle de grâce. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'était ça exactement, ouais. Chauve-souris aussi, ça croustille. Bah, c'est bizarre, ça croustille, chauve-souris. T'as pas de carapace. Après, les os croustillent, mais bon. Les os de toutes les bestioles croustillent dans ce cas-là. Vous allez me demander full mana. C'est parce qu'il y a un comité d'accueil, quoi! Moi, je pense que je croustille un peu, moi. Non, moi, je suis trop. Non, en vrai, j'ai la peau trop douce. Moi, je dois croustiller que dalle, moi. Moi, je vais être. Je suis trop douce. I'm so sweet. Comme un pull. Ah merde, c'est vrai que le retour est si mal. Ok, on a fait un groupe de gens. Je vais en faire un autre. Tu vas me l'envoyer dans la tronche? J'ai esquivé tes balls, mec! Ça va, ça me laisse plein de temps. Et ensuite... Ah, il roule, quoi. Derrière la cascade, un cadeau derrière la cascade. Je connais le jeu vidéo. Ça se passe toujours comme ça. Hop,
coup, j'en ai déjà trouvé ailleurs des cadeaux derrière des cascades. Oh. On va en avoir partout. Est-ce que je peux monter? Ah, je pouvais invoquer. J'ai pas eu besoin. Performique. Et puis à s'amuser quoi. Est-ce que... Non mais est-ce que je pourrais ne plus avoir de lag un jour ou c'est foutu maintenant? Hier ça formique énormément, tout à fait. Comme chacun sait. Que mes motos se fatiguaient. Tac 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 tac. Voilà. Non mais je vois rien. On va changer ça. Tac. Changer. Voilà. Comment je rappelle par contre? J'ai laissé le doute. Bon, je fais pas vraiment de doute à avoir en vrai. Si c'est écrit différemment, c'est simplement pour détourner l'auto l'auto-ban en fait de Twitch en fait. Ce film, Albert Alois, je vais tenter de le mater. Bah écoute, voilà, si t'aimes un peu l'humour que tu qu'on trouve dans American Dad, ça pourrait te plaire. Si t'es pas trop fan, je sais pas si ça te plaira. Bon, ça va, c'est sympa, hein, mais... C'est pas hyper menaçant, mais c'est préventif. Ah, mais c'est pas question de menacer ou quoi, les gars? Enfin... Vous savez pas comment Twitch, ça fonctionne? Ah ça, j'attends pas que les gens me menacent de mort pour agir, hein. Mais y a pas que ça qui compte, quoi. Ah bon, c'est pas parce que l'orthographe n'est pas exactement la bonne que le mot n'est pas n'est pas clair en fait. Surtout quand c'est le seul mot que la personne a prononcé. Et en caps lock, enfin je sais pas. Je veux dire, ça me paraît assez évident moi perso. On tapait. Ah mais faut que j'aille chercher mes trucs en plus. Et faut que je fasse gaffe. Je décède. Bon, c'est pas bien grave. On a perdu 3000, je crois. Voilà. The qui m'a buté, c'est celui là-bas? Pas très doué, hein. Il n'y a pas ce genre de menace, mais évidemment, tout le monde a compris. Bon, pas pour des cons. Bah, dans ce cas-là, je sais pas. Dire du coup, pourquoi attendre, quoi? Genre, pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Ce serait d'autres mots qui auraient été prononcés, je suis sûre que ça aurait fait plus réagir.
Comme deux déjà. Ah, je sais, je dis ça par rapport à ce que t'as dit avant. En disant c'est préventif. Non, c'est pas préventif. C'est déjà fait, le truc. Non, 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 pas du tout, hein. C'est préventif quand la personne est borderline. Là, je vois pas en quoi c'est... ne pas être complètement au-delà de la line. En fait, je vois pas. Voilà pourquoi je dis ça. Mais il disait qu'il fait que tu défonces tes ennemis. Oh, il disait pas grand chose, hein. Il a dit 3 lettres, hein, c'est tout. Hop. Ok. Aucune idée de ce que c'est, ce machin. Mais j'ai pris cher. C'est très chiant! Allez! Oh. Ah? Je ne vais pas vous laisser en vie en vrai. J'ai joué, je vais perdre. Dégage. Mais ça va jamais? Rocher Rose, il y a des problèmes. Non mais sérieux, c'est chiant, je vais jamais avancer. Ils ont trop de portée, ce qui fait que c'est chaud de les battre vite. J'ai obligé d'être prudent puisque moi j'ai 0 de vie. Bon, c'est chiant. Non mais Deo ne pardonne pas dans le coin. Putain. Ah, c'est des sacrés giboulets là. J'avoue, c'est balèze. J'ai fait à la statue. Par où? Par là? Il boulait dans ma gueule. Dur comme jeu. Ah, c'est un Souls, hein, donc il y a toujours de la difficulté. Effectivement, là, c'est un peu dur. Et puis moi, j'ai le problème. Un problème. Je n'arrive pas à faire des dégâts avec mon bâton. Je trouve que j'en fais pas beaucoup. Il faut peut-être que je trouve des nouveaux sorts, sauf que j'en trouve pas beaucoup intéressants. Et du coup... bah moi qui voulais faire un build full magie... c'est pas fou. Parce que là, typiquement, eux, ils résistent pas trop mal à la magie. J'en fais plus de dégâts avec mon épée. Alors ça, c'est... J'ai des lags aussi. Les lags, ça n'aide pas! Je me prends trop, c'est pas grave.
mais stop les lags, c'est chiant. C'est très chiant. Voilà. C'est vrai. Hello Rio. J'avais commencé une phrase et je sais pas. Non, non, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Ah. Assez rapidement. Je me rappelle plus où ils sont, les prochains. Les prochains, bah c'est en bas. Enfin, c'est là-bas, je veux dire. On y va. À propos de soins, je le déteste. Je le déteste. Bon. C'est quoi comme machin? Là, une sorte de grosse mythe. Pour. Je vais passer par là. Voilà. Je vais tous vous voir et je serai un peu protégé. Je vais mettre là. On fait comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? De sa perche là. Non. Non, la boule. Dans ma goule. Dégage avec ta flotte. Espèce de buveur départ. Voilà. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette... Ah mais ça c'est la matrice qui reboot, c'est tout. Une popo. Mais ça ne s'arrête jamais. Ah. Non. J'arrive pas à les nettoyer tous. La matrice c'est pire qu'une freebox en fait. Et il aime bien. J'ai compris. Je peux descendre à pied ou comme ça. Non, je sais pas. J'ai pas trouvé de sort plus puissant que cela. À chaque fois que je teste, ils font pas plus de dégâts, ils en font moins mais ils demandent plus de mana. Ou autant mais ils demandent plus de mana. En vrai, s'il y en a peut-être un. On va aller voir. Mais non, et quand je regarde dans les guides, bah c'est... ils parlent de sorts que j'ai pas.
Bah, je peux en avoir en plus. C'est celui-là, je crois. Voilà. C'était pas mal, je crois. On va tester ça. À la place de ça... Bon, il y a ça aussi, il y a le coût en PC, hein. Et le coût en PC, il est violent. Je vais tester ça. Kétirien en sort, c'est la dèche. Bah ouais! Mais il y en a après que j'ai volontairement pas acheté parce que je savais que c'était de la merde. Mais après, bah j'en ai pas beaucoup trouvé. J'en ai vraiment pas beaucoup trouvé. Et je sais que bah, ils sont bons. Enfin, de toute façon, on sort de base, c'est l'un des plus pratiques. Je demande peu de mana, machin. Donc je sais qu'il est bien. Du coup, j'utilise beaucoup, mais c'est vrai qu'après, en dehors de ça, je suis un peu en galère. Enfin, je suis pas obligée de les faire. Franchement, on va courir. Ah ! On court, il y en a marre. Moi aussi, je roule. Wouhou, soirée roulade ! On est trop des foufous ! Bande de petits pédoncules. Faut que je les fasse parce que j'ai besoin de comprendre comment la zone est faite. J'ai besoin d'avoir le champ libre pour pouvoir atteindre celle qui me marave. C'est pas le meilleur truc pour la situation. Bien tout raté. Non, ne die pas. Why not? Qu'est-ce que tu fous, espèce de gros snitch? Je savais qu'elle faisait ça, mais ça m'impressionne quand même. Ça me demande beaucoup de mana, ça. Environ même que ça, en vrai. Vas-y. Un peu de mana et un peu de lag au passage aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec le problème c'est ça aussi effectivement. Genre c'est super violent et bah, je suis un peu en galère quoi. Comment ça me frôle alors que je suis bien cachée. Il y a des trucs là. Des méchants. Oh, vous me saoulez. Non! Attendre, hein. Comment je vais pouvoir monter tranquille?
coup, on va faire eux d'abord. Ah, arrête des lags. Non. Il y a la bulle. Ça me suit la bulle ? Ça me suit. Vite, faut que je me mine. Ouh, elle pouvait quand même m'atteindre là, quoi. Waouh, 12 000. Ah, il y a un vendeur. Ça veut dire qu'il va y avoir un endroit pour me TP. Enzel. Ok, effectivement, c'est la custre. Ouais, j'ai une cliente. Alors, pierre gravitationnelle irisée, consomme des PC pour émettre des ondes gravitationnelles en forme d'éventail. Consomme des PC pour provoquer une explosion gravitationnelle. Permet de dupliquer les cendres de guerre. Permet de recevoir l'absolution de l'église dans l'église des vœux. Ah oui, mais moi j'ai pas besoin des tapis. Personne d'artisanat. Allez, je prends. Oh, attendez, c'est quoi ça? Le patron d'artisanat. Parfumeur, je prends. Alors, masque de fer. Habit de prisonnier. Ça se trouve, je passe inaperçu avec ça. Ah, mais elle avait. La crassie est incrustée. Habit en lambeau porté par l'auteur de crimes épouvantables. D'or est indescriptible. D'accord. Masque de fer porté en guise de punition par un prisonnier ayant commis un terrible crime. Lourd et épais et des plus étouffants. Une création infâme conçue pour faire souffrir celui qui la porte, soit en laissant la haine le consumer à petit feu, soit en l'alimentant de ferveur spirituelle aussi dévastatrice. Pourquoi est-ce que j'achèterais ça? Bordel! Non mais ça m'énerve ça! Va me donner une solution! Des fois ils font ça. Grève de petits cristaux, c'est pas génial, oui. Ouais, je veux changer ça dès que je pourrais. Grosse humide, faut toujours qu'elle se la ramène comme si la taille ça comptait. Ah, les grosses mythes, effectivement, elles aiment bien te montrer leurs grosses mythes, quoi. En vrai, il est super ce mob quand on voit les rochers arriver, c'est très impressionnant. Oui. Mais. Quelle est Stana pour monter Bah disons que j'ai l'impression que le but ne va pas être de me faciliter mon ascension. Mais en fait, je vais devoir passer par ailleurs, quoi. Tu peux te viser ? Je veux pas t'attendre. Non. Non, mon sort, il va jusque là-bas. Hein. Alors, ah, regardez sur le côté, là, on dirait qu'on peut monter. Mais je vais tellement me faire éclater. Je vais me faire éclater ma petite gueule, moi. Évidemment. Oh, j'espère que les sorts vont leur faire quelque chose. Un petit peu. Ah ! Attendez pas. Oui, attendez pas, je lui attendais pas, j'étais choquée. Oh, mais vous saoulez ! Non, je me suis trompée d'arme. Ça n'arrête jamais. Bonne nuit à tous, ciao, à demain. Bisous, Mugubin Dark. Pas de quoi que tu fasses. J'aime bien. Non, mais je vais tellement me faire éclater, j'ai pas le temps. Je sais pas comment remonter. Je vais trop me faire pourrir. Faut que j'aille là-bas.
Ah mais y'a un coffre ici. Oh non, c'est pas un coffre, mais y'a un truc à looter. Alors je loot. Ah, des ruines dorées. Bah j'ai looté les ruines dorées. Ah il s'est fait buter par ses... par la mythe. Buted by the mythe. Another one buted by the mythe. On peut passer sous la cascade j'ai l'impression hein. Je sais ce que je veux viser mais je peux pas. Je vois pas assez bien. De tuer discrètement. Oh pas marché du tout. Dévasted. Qu'est-ce qu'ils foutaient tous là en fait? Ils étaient là pour rien? Il y avait de l'eau alors ils étaient là? Ils se relèvent en plus, regardez, ils dépopent pas, ils se relèvent. Je les tue, ça sert à rien parce qu'ils se relèvent. Franchement, ça va être compliqué hein. Comment c'est un petit peu démuni face à ce putain de mob affreux? Je peux passer de l'autre côté. Ah mon cheval il peut pas pop. Et ben... J'étais par la mythe qui est donc trop pétrie, putain j'avoue. Elle est trop bien d'ailleurs. Non, dépêche-toi. On supplie. Dépêche-toi. Je sais pas comment avancer. Ça rend dingue. Oh, le mob qui nous regarde. Il a fait son taf. Non, ah, faut que j'arrête. Trop lent. Il y avait un lag. Ça allait me buter totalement. Bon, je vais chercher mes trucs. En esquivant au mieux que possible, peut-être que si je passe à droite, il y a des trucs. Voilà. Bon, bah ça va être sympa. Allez, c'est parti. Elle me vise d'ici, je suis dégoûtée. Thank you.
Non, mais de l'autre côté. Bordel, ça lag. J'en peux plus. Mais c'est lag, mais c'est lag. Arrête de rouler, tu me saoules. C'est lag, mais oui, j'ai rien changé. Et j'ai full lag là. On va y aller. On m'emmène où ça? On met de l'autre côté. Il y a toujours la pétasse qui tire, mais. Ou le connard. On fout, c'est une mythe. Ça me frôle un peu, hein. Non mais jamais je vais réussir à monter. Et en montant, ben je vais mourir. Super confiante. Ouh. Oh, protégez-la. Ça passe. Je m'en fous, ça passe. Je ne veux pas. La zone est peuplée, plus ça lag. Mais en vrai non, tout à l'heure ça laguait de ouf, il y avait personne. C'était une plaine. La plaine où il y avait une énigme que j'ai pas réussi à résoudre là. Ça laguait de fou, il y avait rien. La lumière. Voilà. Bon, enfin quoi. Vraiment trop beau ce monstre, vraiment trop chiant quand même. Hein. GG, merci. Vous êtes très doux, il y a rien. Hein. Je fais tout ça pour Yin, c'est ça, rien du tout. C'est un câble. C'est un câble, je déteste pas avoir des récompenses. Y'a rien. Y'a des cailloux dans une salle avec des cailloux. Et des pots. Et des pots que j'ai cassés, y'avait un dedans. J'ai recommencé la partie du début, moi. Sur le début, il y a tout. Sur le début, il y a tout. Les tout premiers soldats, j'ai réussi à me faire tuer deux fois avec le lag. Naze. J'ai pas mis un pied dehors. Bim, deux morts. Ah, zone nulle sur 20. Mais grave, c'est quoi cette enfilade là? J'ai zéro récompense. J'ai fait ça pour rien. Juste pour rien. Je monte. Je suis en train de monter là. Ah, je peux peut-être escalader grâce aux cailloux. Ça a l'air giga chiant. Non, mais non. Enfin, je vais pas monter assez haut quoi.
mais je peux pas. Ah, tu tournes ma gueule le jeu, hein? Pourquoi en fait? Genre je mérite ça? Moi je pense pas. Non, ça, ça me sert plutôt à descendre. Monte plus haut! Maintenant que je l'ai vaincu, je pourrais peut-être trouver tranquillement, mais bon. Et je descends comment aussi, accessoirement? Peut-être aller tuer le dragon. Ah bah oui! J'avoue. Vas-y maintenant. Là, j'ai pas trop envie, elle me fait pitié. Mais grave, elle est trop... c'est trop horrible de la tuer. Franchement, tuer ce dragon, bah, c'est trop nul. Je comprends que c'est un bon tips, mais c'est terrible de tuer un dragon mourant. Non mais j'arrive à monter sur rien du tout, faut pas que je m'acharne là. Bon. Je me saoule. Dégoûté. Tu es allé là pour rien. Ça m'a servi à rien. Je l'ai tué au moins, hein, mais... Ah, sérieux. Vraiment rien dans cette putain de salle. Là, c'est vraiment la salle où on atterrit après avoir visité un autre truc, être monté autrement. Voilà, j'ai dû pas faire comme il faut. Il y a un petit rebord là. On va prendre le petit rebord. Et on va prendre ça. Et puis bah voilà, est-ce que je peux passer quand même là? Donc on va y aller hein. Ah bah non mais c'est vrai, on était déjà allé. Bon. Et bah d'accord. Sacré grotte hein quand même, j'ai l'impression d'avoir perdu totalement mon temps quoi. Ça c'est comme ça, est-ce que je peux m'en servir pour monter quelque part? Pas du tout on dirait hein. Juste pour éventuellement m'abriter quand elle bombarde quoi. Ah, par contre, c'est bien. J'en avais pas encore. Non, j'en avais pas ici. Ah, continuons de visiter, hein. Ah ouais, ça avait des fourmis. Vous vous rappelez ? C'était moins chiant que les fourmis. Hein. Comme les fourmis, là, je les bute, mais elles ont rien demandé à personne. Elles sont dans leur nid et je suis une intruse. Et bordel! Des os. J'ai dit des os. Bon bah va fouiller. On a d'autres? On a d'autres pas loin en tout cas. Ça c'est sûr. Est-ce que ça va me... Non. Forme d'immunité? Oh! Je peux pas éliminer au prochain conseil. C'est bien ça. Tu sais que ces trucs.
cherche pas à savoir. On est là. On dirait des sortes de trucs. J'ai pas trouvé. Par contre, c'est rigolo, hein. Moi, j'aime bien. On dirait des sortes de couilles. J'ai l'air. Voir une lumière en haut aussi. Mais oui, il y en avait, mais je pouvais pas monter. Mais tout à fait, hein, on peut monter encore plus haut. Mais je sais pas comment. Oui, elle t'attaque. Clairement aussi, elle t'attaque parce que t'es chez eux en même temps. C'est normal, tu vois. Genre bon, quand nous on voit des fourmis chez nous, on a rarement un comportement plus sympathique. Hein. Je sens qu'il faut pas que je tombe là. J'ai eu quoi? J'ai même pas regardé, j'ai spamé. Fer de forge. Oh, du savon! Eh, le jeu il veut vraiment que je lave mon derche. Donc clairement les yeux plus gros que le ventre. Oui, littéralement, tout à fait. Une bonne analyse, Amikyu. Mais c'est vrai que le dragon n'est pas hostile. Après, le dragon n'est pas hostile parce que bon, il est mourant. Mais ses enfants sont hostiles. Si elle éduquait mieux ses gosses, on n'en serait pas là. Camillon chelou. Pensez à des tritons. Voilà. Arrête. En tête, quoi. C'était un peu trital. Je suis pas allée là-bas. J'ai raté. J'ai pété un truc. Ces caisses se retrouvent là. Oh, un truc où je réapparais, ça. Champignon fondu. Il a l'air dégueu. Il a l'air dégueu, ton champignon. Y'a rien. Monter la caméra pour voir au max, mais on est limité. On peut pas voir pile poil au-dessus de nous, on peut voir comme si notre perso levait la tête. Il lève même pas la tête. Waouh. Oh punaise. Oh c'est impressionnant. Ah bon ici purée. Et le jeu est sublime. Hein. Mais où oh. Je vais l'éteindre, voilà. Tombé d'où toi? Et merde, j'ai 15 000 trucs. Oh non, c'est pas le moment. Oh, c'est putain de pas le moment. Je peux pas mettre mes loups. J'ai passé le mana. Si les loups faites des trucs.
rejoignent. Oh, j'ai des ailes. Ah non, je suis dans l'eau. Ah, je suis dans l'eau. Mais c'est sur quoi je vais die, les gars? J'y vais pas die, en fait, je vais bien. Merci, Infernal Angelus. J'avoue, t'es chakra en moi. Oh, lance foudre glacée, ça doit être bien. J'ai un nouveau sort. Oui, merci, mes loupios, vous êtes trop les meilleurs. Faut que je les réaméliore. Ils sont trop bien depuis que je les ai améliorés. Les loups, ils déchirent un max. On va pas se taper le truc sur le trône, mais grave. Grand GG, thanks a lot. Je vais faire un petit dodo dessus là. Et on va prendre notre nouveau sort. À la place de ça. Je peux pas, il faut de la foi. Non, c'est un truc de foi et pas d'intelligence. J'ai pas la foi d'avoir de l'intel. Même sacrément grid à la fin quand il est sans heal. J'ai très peur. J'étais loin, ça allait. Ça allait, ça allait. Ok, que j'aurais pas grid comme ça. Mais quand t'es à distance, c'est un peu mieux. Mais c'est pour le spectacle, quoi. Oh, un joli coffre. Un muguet fantomatique. Trouver du muguet dans un énorme coffre assez stylé. Enfin, dans un coffre stylé, il est pas énorme. Sous un énorme trône, où j'ai pas dû un énorme boss, j'ai ouvert ce coffre et j'ai trouvé du muguet. Voilà. Et cocasse ! Ça m'énerve ! Réussis tes postes du premier coup. J'ai refait 100 fois, moi. Ouais, mais c'est parce que... quelqu'un d'assez exceptionnel. Mais surtout, je pense que c'est une zone qui est un chouïa en dessous de mon level, en vrai. Et enfin, je joue mage. Voilà. Ah, un petit renfoncement ici. Pour rien. Ah ouais. Ah c'est ça, si c'était pour du muguet, bon, une petite balade en forêt et c'était moins risqué. Bon, l'endroit est très beau, hein. Mais disons que ce coffre, j'avoue, j'imaginais avoir autre chose. J'avoue. Le truc, c'est qu'ici, je suis bloqué, hein. Je pense que je suis obligée de me barrer. Je pense. Et en dessous, il y a des trucs ultra intéressants. Est-ce qu'on meurt ? Et on atterrit dans l'eau. Franchement, je vais essayer. Oui, on meurt. Question est vite répondue. Non, mais je testais. Il me semblait que des fois, l'eau, c'était... voilà. Un dernier site de grâce utilisé, c'est mieux. Je teste. Oui, d'accord. Non, mais voilà. Au moins, je sais que... c'est pas comme dans les films américains. Où tu peux sauter de 844 mètres de hauteur et tant que t'atterris dans l'eau, c'est ok. Là, bon, c'était pas ok. En parlant de pas ok, on va utiliser nos runes. Bon, je m'inquiétais pas, hein, y avait un truc juste à côté. Voilà, j'avais que j'allais respawn. En vrai, je devrais faire gaffe parce qu'une fois dans une salle de boss, alors le boss était encore actif à ce moment-là, je l'avais pas tué. Mes runes ont totalement disparu. Vraiment, elles étaient plus indiquées sur la carte, plus rien, elles avaient juste... Alors que même quand tu perds zéro rune, t'as un endroit pour ramasser ton zéro rune. Montée de niveau. Pierre esprit intel, j'ai full intel. Je vais en mettre. Peut-être en esprit. Non, je vais mettre en intel. Asie quoi. Après je mettrai en esprit en endu. Et après, re-intel. Oh,
Moi je fais full intel. Je vais voir là-dedans, tu as pas un petit endroit où passer. Mais j'ai pas l'impression. Oh bah voilà. J'ai vu la cascade. Ils ont fait la même technique que moi avec Planet Zoo. Ils ont mis des cailloux, ils ont fait genre l'eau coule des cailloux. C'est pareil. Bon bah j'ai plus rien à faire ici hein. Je vais arrêter la VOD là. Hein. Une 2h27, je pense qu'on est bien. Peut-être la queue au milieu, ce serait cool. Une bonne idée. Hier j'ai vu quelqu'un se bloquer sous la map, impossible de remonter. Elle prenait quand même des dégâts. Elle a fini par tomber dans le vide au final au retour. Les ruines étaient sous la map. Au revoir les 30k. Terrible. J'avoue que ça... à cause d'un bug, c'est l'enfer. Ah, c'était à cause d'un bug aussi, mes runes qui avaient disparu. Et c'était peut-être sous la map. Bon, ça... Non, c'était même pas indiqué nulle part. En fait. Moi, j'ai le cas des runes posées en bord de falaise sur un petit muret. Je veux pas grimper. Sympa aussi. Oh, c'est possible ça. C'est vrai que des fois, enfin, c'est pas rare que ça ne fasse pas pile poil où tu es mort. Et sur un... Enfin, un moment, je me rappelle, j'étais face à un boss. J'ai fait exprès d'être proche de l'entrée pour quand j'allais mourir, facilement récupérer mes runes. Punaise, mes runes étaient à l'opposé de la salle en fait, quand j'ai respawn. C'est un peu deg, je me suis dit, ah ouais, en fait on nique la logique quoi. Bon, bah en tout cas c'est une salle magnifique. Hein. Très curieuse de savoir ce que c'est que cette divinité. Au revoir VOD, bisous, bye bye. Bonne nuit. Au revoir VOD sur ce... Voilà.